Salut à tous, c'est Calamar. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux équipements dans Splatoon 2. Bien que dans Splatoon, être optimisé dans ses équipements n'est pas obligatoire pour faire des victoires si vous savez bien jouer, il est quand même recommandé d'avoir un stuff optimisé au maximum. Pour cela, il est préférable d'avoir des équipements en quadra ou en triplette. Cela permet de combler plus facilement des défauts qu'ont certains packs d'armes ou simplement optimiser votre manière de jouer. Si vous avez plusieurs quadras, il sera plus facile d'optimiser vos différents équipements en fonction de l'arme choisie si vous jouez souvent avec différents types de packs d'armes. Pour cela, différentes techniques existent pour avoir des quadras ou des triplettes. Technique numéro 1. La première technique est tout simplement d'enchaîner les combats afin de débloquer des bonus. S'ils ne vous conviennent pas, vous pourrez vider vos emplacements auprès de typiques, puis recommencer jusqu'à obtenir les bonus souhaités. En fonction de la marque de votre équipement, un bonus aura plus de chances de tomber que les autres, et un autre aura moins de chances de tomber. De ce fait, il est assez simple d'avoir une triplette avec un peu de chance. Ce sera à vous de bien choisir votre item avec un bonus principal en adéquation avec une marque, vous donnant un autre bonus secondaire. Pour cela, vous pourrez acheter vos équipements soit dans le magasin, soit sur l'application Nintendo Online. Pour les quadras, ce sera plus difficile. Simplement car il n'y a aucun équipement dont le bonus principal correspond avec le bonus ayant le plus de chances de tomber. Technique numéro 2. Elle consiste à utiliser des boissons via Omar. Les boissons vous permettront d'avoir plus de chances de tomber sur un bonus spécifique. Vous pourrez vous procurer des tickets boissons de deux manières différentes. Soit auprès de Monsieur Ours en mode Salmon Run, soit à la fin du DLC de l'Octo Expansion. Si vous faites cela, je vous conseille d'utiliser des équipements liés à trois marques différentes. Ceux de Monsieur Ours qui s'obtiennent en mode Salmon Run, ceux de la marque Amiibo qui s'obtiennent lorsqu'on achète des Amiibo, ou ceux de la marque Macalamar qui s'obtiennent une fois que l'on a fini le mode histoire de Splatoon 2 ou du DLC. Si je vous conseille ces trois marques là, c'est simplement que pour ces trois marques, tous les bonus ont autant de chances de tomber. Ainsi, si vous utilisez une boisson, un seul bonus aura plus de chances de tomber que les autres. A contrario des autres marques ayant déjà un bonus avec un taux plus élevé. Ainsi, si vous utilisez un ticket boisson dessus, vous aurez moins de chances de débloquer le bonus voulu, car vous aurez deux bonus avec un fort taux. Bien souvent, les marques de Monsieur Ours, Amiibo et Macalamar n'ont que deux places de bonus secondaires. Pour en avoir un troisième, il faudra utiliser un super coquillage auprès de typique. Ces super coquillages sont obtenables dès le niveau 30 pour chaque niveau que vous passerez. Pour finir avec cette technique, les tickets boissons sont assez rares. Je vous conseille de faire des tentatives de triplette ou de quadra avec trois équipements en même temps. Cela vous coûtera trois fois plus cher, mais vous aurez trois fois plus de chances d'avoir un quadra ou une triplette. Technique numéro 3. La troisième technique est d'utiliser les fragments. Les fragments sont obtenables lorsque vous videz un équipement ou lors du mode Salmon Run. Vous pouvez changer à tout moment n'importe quel bonus secondaire d'un équipement auprès de typique, du moment que vous avez le nombre de fragments suffisant. Si vous souhaitez remplacer un bonus secondaire, il vous faudra 10 fragments si vous n'avez aucun bonus de ce type dans votre équipement, 20 fragments si vous en avez déjà un, et 30 fragments si vous en avez déjà deux. Ainsi, si vous voulez remplacer 3 bonus secondaires, il vous faudra en tout 60 fragments pour un item. Technique numéro 4. La quatrième technique consiste à commander un équipement. Pour cela, baladez-vous dans le square et parlez aux différents personnages avec qui vous avez déjà joué. Vous aurez la possibilité de commander un équipement par jour. Pour le récupérer, il faudra aller voir Typique. Il vous proposera de vous vendre l'item commandé avec un nombre de bonus secondaires allant de 1 à 3 et dont le prix varie en fonction du nombre de bonus secondaires sur l'équipement. A savoir qu'il est vraiment très rare d'avoir les 3 bonus secondaires. Technique numéro 5. La cinquième et la dernière technique, je ne vous la recommande pas. Cela consiste à aller voir Typique et remplacer tous les bonus secondaires de manière aléatoire en échange d'un super coquillage. En faisant cela, vous récupérerez au passage les fragments de vos anciens bonus secondaires. Si je ne vous le recommande pas, c'est tout simplement car les super coquillages sont une denrée rare et c'est une manière peu efficace de les utiliser. Pour finir, à titre d'exemple, voici une tentative d'avoir 3 quadras. Pour cette tentative, vous trouverez un exemple particulièrement malchanceux. Dans cette tentative, j'ai utilisé la seconde technique et la troisième technique que je vous ai déjà présentée. Cela m'a coûté beaucoup d'argent et beaucoup de tickets boissons. C'est pourquoi, lorsque vous cherchez à faire des quadras, pensez à avoir beaucoup d'argent de côté et de tickets boissons avant de commencer. En faisant cette technique, il faut savoir qu'en temps normal, vous aurez votre premier quadra en moyenne au troisième ticket boisson.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine en espérant qu'elle vous a plu. Si vous voulez que l'on joue ensemble, vous avez mon code ami dans la description. Et si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. N'hésitez pas à liker ou partager la vidéo. Et si vous souhaitez m'aider financièrement tout en vous faisant plaisir, vous trouverez un lien vers ma page eBay en description où je vends des jeux en édition limitée allant de 1500 exemplaires à 5000 exemplaires dans le monde.